Parce que nous sommes dans un monde agité. Le monde est à sa dérive. Tout est instable. Les gens ne savent pas sur quel sens se vouer. Ils vont gauche-droite. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pendant ce temps, il y a l'épouse de Jésus-Christ quelque part. Et j'ai l'impression qu'il parle à Jésus-Christ ou qu'il parle à moi. Pendant ce temps, il y a un peuple de Dieu quelque part. Je vais vous donner un exemple de la vie. Ça.
répéter. Je crois que tout le monde ici a déjà fait le football. La manière de retourner sur le terrain, d'abord, les joueurs, quand ils sont sur le terrain, là-bas, par mettre des mots, voilà, sur le terrain. Mais en solide, c'est l'arbitre. Ah, et si vous avez dit, arbitre. Même si tu dis non, il a marqué le but avec la main. Ah, d'ailleurs, lui, il a tiré le but dans le mot. Si il dit que c'était le but, c'était lui. Sauf qu'il a gâté le but dans le but, il tire le but. Même si vous pouvez répéter. Attends, on vit nos passants. Même si le président est assis à la tenue là-bas. Attends, on continue. Votre haut terrain de arbitre, il y a celui qui s'est mis. Il est la souris pour les joueurs. Il est né ici, mais le bon va mettre une bonne ligne. Et pourtant, c'est que la bonne ligne. Donc, ça va le mieux. Eh bien, une grande réalisation, chaque temps de réalisation est rattaché à une absolue. Yaboy, Macamonus, on est le gros là, Yamon, et si ma mère est le gros. Vous ne pouvez pas vivre sans une absolue. Yo, on va copier quand même aux autres aussi, ma mère, c'est un mot. Mais au côté chrétien, c'est la position de la parole de Dieu. Ce n'est pas d'être baloté gauche-droite. Un chrétien doit avoir une position. Un chrétien n'est pas baloté gauche-droite. Et c'est qui est plus que la vie elle-même. C'est que plus que la vie elle-même, c'est quoi? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà la chose à laquelle nous devons nous rattacher. Tala eloko oyo na yango esengeli to kangama. La chose à laquelle ni la mort ne peut nous séparer. Et là, on a tout fait comme la mission de la Yangote. Ni la disette non plus. Ata Bozangi. Ni toutes les filles de ce monde. Ata va pas si mon côté mon crioyo. Ne pourront jamais nous séparer de son amour. Et Zangi m'a couru comme ça pour lui donner. Alors, si nous sommes rattachés à lui, la boue, si tu as mis la yé, nous ne serons jamais éplanés. Donc, on n'y a pas la mon côté. Notre photo d'attache. Yangonde et l'autre jour aussi, maman. Nous ne serons pas ballotés. Donc, on n'y a pas la thé. Pourquoi? Pour Nanini. Parce que nous sommes rattachés. Notre référence finale. Yango ne référence pas à Souka. Écoutez-moi. Boyoka. Et il vous faut avoir quelque chose auquel vous êtes attaché. Et c'est rien à bino et l'eau comme on peut. Oh, c'est quoi? Au cas où vous êtes dans vous. Mettez ça correctement. Boyoka, c'est quoi, Malamu? Attentivement. Naboké bino so. Les prophètes disent. On se rend lobby. Certains sont attachés à leurs affaires. Pour les autres, ils sont rattachés à leurs affaires. Pour la misus, bakaramina mombongo na bango. Nous avons benanga. D'autres à leur famille. Misus bakaramina mabota na bango. Les autres, c'est ce qu'ils disent leur famille qu'ils évoquent. Misus, oh le bili mabota na bango, y a mon bayoka. Tu as une femme à la maison, elle ne chine seulement que la parole de son oncle. C'est ton oncle qui est ton côté, qui est ton absolu. Oui, parce qu'on dit ici que pour les autres, ils ont placé les affaires, ils ont placé les familles comme absolu. Pour la mamsusu, batiene mon bon la bangoto, mission la bango, on a autant d'absolu. Bien aimé frères et sœurs. Ceci c'est un avertissement pour vous. Vous entendez ceci. C'est pour que vous preniez la bonne décision de choisir votre réel absolu. Notre absolu. Notre poteau d'attache. Notre référence finale. Ça doit être Jésus-Christ. Ça doit être la parole de Dieu.
Et c'est là le Brazzambi. Mais toi ce matin, c'est toi ton absolu. Absolu Zanani. Ce sont tes affaires. Zanani, maman on a yo. C'est ta famille. Bon, c'est ton oncle. Le on a yo. Ton absolu c'est ton pasteur. Absolu Zanani, pourquoi il a yo. Absolu c'est ton diacre. Et si mon Zanani, diacre là yo. Ton voisin. Toi, vous avez ça yo. Ton frère, ta soeur. Le on a mon Mali. Et pour être quoi dire. Donc, on se retrouve. On se relève. Il y a moi j'ai. Il dit. Allô, bi. D'autres à un credo. Bah, monsieur, quand même, il a credo, mon co. C'est un débile, mon co. Un débile, mon co, boy. A une fonction dans l'armée. To, na mosala mon akatia, ma pinga. Nous avons diverses choses auxquelles nous sommes attachés. Il y a des gens qui sont en autre, quand même, il y a un go. Moi, je suis attaché seulement à ma femme. Nga, na karamara, na basse, na mosna. Moi, je suis attaché à mon mari. Nga, na karamara, na mobile, na nga. Mais je pense qu'en tant que chrétien, ça, c'est le conseil du prophète de l'âge. Nous devons ouvrir les oreilles. Et c'est un ghetto pour en tant que chrétien, nous devons être rattachés à ce que nous savons être juste. Et c'est un ghetto car on a auto yébi à Mosali Sembo. Voyez, en effet, vous pouvez être rattaché à votre famille. Nabo et c'est yo comment car on a les bottes à yo. Votre femme peut vous quitter. Moi, si n'a pas de yo. Ah, c'est la question. C'est mon tournant. Vous pouvez être rattaché à l'armée. Yo ko kamana mapinga. Et vous pourrez être tué. Pe okoy ko kufa. Vous pouvez être rattaché à diverses choses. O ko kiko kamana makambo songolo pakala. Mais cela a une fin. Kasi yango za suka moko boyo. Cependant, na bongo, il doit y avoir un poteau d'attache final. Et serait là na ebendele moko boye oyo kosi mama yasuka. L'homme doit avoir un poteau d'attache pour sa destinée éternelle. Moto serait là la bendele moko yakosi pour la oyo kamina mbone pour la bomone yasuka sekola seko. En effet, na bongo, si vous vous mettez à placer votre confiance dans votre travail, ce qui yo ti elike na otu na mosala na yo, une fois votre travail terminé, wana bongo so mosala na we sili, c'est la fin. Et comme Pesuka, une fois votre famille retirée, na bongo soki di bota na yo, bas patiki yo, ce sera la fin. Et zasuka pona yo. Voilà bien mes frères et sœurs. Tala sika balinga mbasi bali. Vous rattachez au lieu de vous rattacher à Dieu, vous rattachez à vos affaires. Na sika yo kama na nzambe, yo kama mombo na yo. À votre argent. Na misolo na yo. Un certain matin. Votre mombo ko boye. Une certaine nuit. To butu mombo boye. Les voleurs viennent. Moyi ba koko ya. Ils vous arrachent tout l'argent. Ayi bi yo misolo nyoso. Maintenant vous allez vous rattacher à quoi? Sika yo kama na nini? Vous vous rattachez à votre famille. Ici bloza la bota na bota o kama libo na yo. Vous êtes rattaché à quoi? Vous êtes rattaché à votre mari. Vous êtes rattaché à quoi? Vous êtes rattaché à quoi? Vous êtes rattaché à quoi? Vous êtes rattaché à votre femme. Vous êtes rattaché à quoi? Vous êtes rattaché à quoi? Vous devez chercher à vous rattacher à un. Vous devez avoir un bon poteau d'attache. Et c'est d'ailleurs aux la estime le mot quoi? Une référence finale. En tout cas, référence pourquoi est Souka? Jésus Christ. C'est l'unique le dans l'absolu. En tout cas, pour la bise, il y a un et l'autre, il y a un autre, 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 si ma lobby au zone à zéro. Est-ce que c'est ça des choses qu'on fait de vous rattacher? Na ma camabonne serait là au camarero. Ça, c'est le coup de l'âge de mon ami. Wana mon sacrata, mon éotas abiso. Nous devons chercher un bon propos d'attache. Et secret de Luca et Simbe le Moko Yaman Lambo. Écoutez. Boka. Mais il n'y a qu'une seule chose qui, à mon avis, Kasi, et d'un éloque au Moko, oh, na l'olégué dans la Koyeba. Yangonde est simple au Yamalam. Et je pense que Paul avait un poteau d'attache dans sa vie. La bandite, Paul au père Azakina est simple au Yamalam, la bombe. Et j'aimerais me ranger dans le peuple, il n'a pas fini. La Kolinga, Kosana Simaya, à Silicité. Si nous pouvons ainsi le dire, ce qui te rigole au Yango, attends, l'Engiwana, et parler de ses poteaux d'attache. Kolomela est simple au Yango, il a dit, Alubaki, Christ est ma vie. Christ au Nebomo Yanga. Et la mort. Pe kufa yango zali zelanga. Eh bien,
Christ était l'absolu de Paul. Naboye Christo, yazaki esima melo ya Paulo. C'était son poteau d'attache. Yango nezaki kosima mana Paulo. C'était la fin de toutes les disputes. Yazaki suka ya kosona nyoso. Christ était son poteau d'attache. Christo ne était na ye ya kosima. Bien, frères et sœurs. Balinga basimbali. Si Christ était le poteau d'attache de Paul. So Christ yazaki esima melo ya Paulo lobi. Toi ce matin. Yo, matonga lelo. Et si vous avez c'est quoi ton poteau d'attache final? Nous avons le souk. Pour Paul. Pour Apollo. C'était Christ. Et toi ce matin. Quand le loyer, le ton poteau d'attache. Nani et si cherche-le. Le cahier. Trouve-le. Le cahier pour mon aïe. Tu dois avoir un poteau d'attache. Et c'est vous avez le pour que tu puisses pas être balotté à tout vent. Pote, yo, on y a un peu plus sauté. Cherche le poteau d'attache ce matin. Le cahier le loyer, ton loyer. Donc, oyo. Pour Paul. Pour Apollo. Paul n'avait pas toujours eu ce moto d'attache là. Paul Azara Esimbe Lona Naliboso et Banelli. Autrefois, il était rattaché au groupe des pharisiens. Balaou Akangamaki na etonga ma falisai. Il a dû être formé et instruit au point qu'on l'a accepté et on l'a fait se rattacher avec Paulo. Yé, Azoki ma formation est là qui n'a essayé d'être yé Akangamaki na Esimbe Lona Bango. Tant que Paul a été Yesoune et Simbe Melonaï. Et après que Paul y rencontrait Jésus. Walzaki Simana Paul Kokuta na Yesu. Sur le chemin de Damas. Nandela Damaseki. Mais avant ça, Kasi, Liboso Nayango. Paul avait reçu beaucoup d'instructions. Paul y était avec lui. Et en ce moment-là, Pe, wana, il trouvait que tous les chrétiens là étaient dans les faux. Azomon a été Christ Yesu tant qu'on a basaki na katia le kuta ya mabe. C'est ce que leur congrégation avait fait savoir à c'est ainsi qu'ils avaient rattaché Paul à leur poteau. Et comment dire, ainsi même le Apollo, leur poteau attaché, c'était leur imagination. Et si même le roi attend qu'on ait Boyebi tout ma bande de choses de leur tête. Macambo, leur manière de voir les choses. Le leur Macambo. Nous, notre référence, c'est la parole de Dieu. Nous sommes à de Malazambi. Nous, nous n'amenons pas des raisonnements. Ah, tu me ramènes ma bande, tu m'as caressé la poteau. Parce qu'un homme dit, c'est qu'un homme dit, c'est ce que nous croyons. Aujourd'hui, la bouche autorisée, c'est le prophète de l'homme. C'est que lui nous dit, nous croyons. C'est que lui nous dit de faire, nous faisons. Il est la voix de Dieu pour cet âge. C'est ce que nous croyons. Alors, ces pharisiens-là, ils avaient rattaché Paul à leur poteau. C'est ainsi que Paul pouvait persécuter les chrétiens. Mais un jour, en pleine mission, pour aller encore persécuter sur le chemin de Damas, c'était vers 11h12. Il rencontra ce Jésus-là. Et dès ce jour-là, c'est le jour que Paul a décidé que c'est Jésus son poteau d'attache. Et dit Mokolo Oyo Paulo Azwaki Mokano était Yesu ne esi sur le chemin pour aller persécuter les gens. C'est la même chose pour toi ce matin. Et ça nous l'a dit. Vous avez compris que tu n'as pas été là. Tu n'as pas été là. Tu n'as pas été là. Peut-être que tu étais sorti pour chercher le Bilocoste. Tu as rencontré la sœur Fanny. Tu as rencontré la sœur Fanny. Et la sœur Fanny t'a parlé de Jésus-Christ. Mais tu as dit que quelque part on parle de Jésus. Tu as dit que tu vas venir avec moi. Pour écouter aussi. Et ce jour-là, quand tu es venu, tu as écouté les sons. Yo, Oyoki, que c'est la parole de Dieu. Zambé, et tu es resté là. Et c'est comme ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais peut-être que tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais peut-être que tu étais aussi quelque part. Mais un jour, tu as rencontré un frère. Et t'a dit que vers le Sénépoula. On apporte la parole de Dieu. Bataille à Sangoma. La parole de Dieu sans compromission. Le Banzambé, Oyoki, avec moi. Et quand tu es venu, yo, tu n'as pas trouvé un individu. Yo, mon qui a trouvé la parole de Dieu et qui a cru.
Père Ondimi. C'est ça, bien aimé frères et sœurs. Il y a quoi dans l'église de Dieu vivant? Il y a quoi dans l'église de Dieu vivant? Nous sommes en train de prendre à bord des billets. Oui, il y a des choses dans l'ensemble. C'est ainsi, bien aimé frères et sœurs. Il y a quoi dans l'église de Dieu vivant? Nous devons prendre pour nous d'attache Jésus-Christ. Il y a quoi dans l'église de Dieu vivant? Il y a quoi dans l'église de Dieu vivant? La parole pour cet homme. Il y a quoi? C'est ce que nous comprenons, bien aimé frères et sœurs. Il y a quoi? Mais un jour, alors qu'il était en route pour faire Damas, et alors rencontrer Jésus face à face. Et depuis lors, il s'est détaché de son boulot d'attache des pharisiens. Et s'est régné à ce Jésus. Mais à Kangamana Yesu Oyo, qu'il a connu comme crucifié. Oyo, il a dit que l'on a dit que oh, il faut qu'il passe, quoi qui? Le prophète dit que c'est ce jour-là qu'il a rencontré. Ils ont dit, ils ont dit, qu'il s'est délié. Puis il s'est détaché de ses poteaux de pharisiens. Mais c'est ce jour-là. Il s'est délié. Il a dit, la dénomination où tu étais. Et la mondanité où tu étais. Et puis il est fier à Jésus-Christ. C'est ça, bien le de la même manière que vous l'avez rencontré. Le si pour le côté de la Yesu. Si tu as rencontré avant de lui. Peut-être c'était sur la route. Peut-être c'était dans une église. Peut-être c'était dans une église. C'est ça notre marche. Et ça, le lèvre, le même le même rapport. Quand est-ce qu'il a rencontré le peuple d'attache? Et si même le haut est solo. Écoutez bien aimé. Donc, ami. Paul a su cela parce qu'il avait rencontré la personne. Paul y a sosona qui yango pour être à côté de qui na moto oyo. Cela l'avait changé là même. Yango ebongo la qui est na tango na malaboko. Il n'était plus le même depuis lors. Azala qui sosolo lenge mokote uta tango yango. Il n'avait jamais rencontré un livre. Y a côté de qui na buku moko boyete. Il n'avait jamais rencontré un credo. Il avait rencontré la personne Jésus-Christ. Akutaki na moto oyo Yesu Christ. Qui es-tu Seigneur? Yonde nani nkolo? Il a dit. Ayalola kiye. Je suis Jésus. Nazali Yesu. Bien-aimés frères et sœurs. Balinga mi basimbali. Quand tu as rencontré la parole de Dieu. Tango kutela lobana zambe. Tu n'es pas resté le même. Otika lolenge mokote. Peut-être que tu as encore quelques difficultés. Tango mosuzo ali na moko somo ko boye. Peut-être que tu es encore en train de tituber en marchant. Tango mosuzo ozoninga na mokele ko tambola ka. Tu as tout même rencontré. Kasi yo esi kutela na ye. Quand on est. Tango yo botami. Tu ne marcheras pas le même jour. Okotambola kaka mokolo mokote. Petit à petit. Malembe na moyi na moyi. Marcher bien aimé frères et sœurs. Yo ko lende batambola ka bolenga basi baliwe. Certaine que tu dois connaître. Kasi eloko boye bien motu ya o selo yeba. Tu n'es pas la même personne que hier. Ozal sur le lenge mokote lobby. Même si tu n'es pas ce que tu devras être. Atako komina te o selo koma. Tu moins tu n'es pas la même personne. Kasi atako bongo ozal sur le lenge mokote selo lobby. Si longtemps que tu viens ici tu es en train de manger la parole. Voilà tango le sœur ako ka le banzambe. Tu n'es pas la même personne. Ozal il est vrai que certaines choses que tu faisais hier, tu ne les fais pas aujourd'hui. Tu es en pleine mutation. Tu es en plein changement. Parce que tu as rencontré Dieu. Celui qui rencontre Jésus-Christ, il ne reste jamais le même. Il est transformé. Ne n'aie pas peur, bien-aimé. Ne regarde pas des petites erreurs que tu es en train de commettre. Tu es en pleine marche. Et tu vas commencer à tenir la chaise, mais, tenir debout, faire un premier pas, deuxième pas, et le lendemain, tu commences à faire autant de pas, et plus tard, tu commences à courir, c'est ça notre marche avec Jésus, nous sommes dans la marche avec Jésus, nous sommes dans la marche avec la parole, nous devons simplement aller de l'avant, et c'est que tu as dit, et de petites erreurs de la vie, ne vous décourage pas. Que Satan ne vienne pas te dire à l'oreille. Satan oh, tu es toujours pécheur. Dites-lui. Oui, si tu dis que je suis pécheur. Mais mon péché a été déjà payé sur la croix. Les grands prix avaient été déjà payés. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir me condamner. Le prix a
été payé. Il faut te foutre qui déjà. Jésus avait déjà tout payé. Yes, on fait qu'il y a. Et tu verras que Satan va fuir. Yo, comment Satan va fuir? Il ne peut pas résister. À côté de la tête. Satan peut parler, peut faire tout, mais il ne résiste pas. Satan a commencé à la nuire, mais à terme, la réunion va s'embêter. Avec la parole de Dieu, Satan ne tient pas bon. Natir le voisin, mais Satan a été le maraguité. Il fuit. À qui m'a rapporté un bang? C'est ça, bien aimé, frère. J'ai le nom d'un égo, battez-moi aussi. Écoutez. Oyoka. Tous ces prophètes étaient des hommes comme nous. Ah, ça colle l'union, c'est qui battre le col à biso? C'est la Bible qui l'a dit. Biblia ne le dit à vous. Saint Jacques 5. Bon, capo, Jacques 5. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, il y a qui moto, le lingue moko na biso. Il avait ses hauts et ses bas. Azaki, Nabagoba, Naepi, Okitanae. Un pied dedans, un pied dehors. Le Colombo, la Kati, Mokom Sulibanda. Et il pria avec instance pour qu'il ne prie point. Il est à bon laïc aux Angasuka pour être moule et koyate. Et Paul était un homme de même nature que nous. Bon, Paul, Azaki, prends le lingue moko biso. Il avait ses ennuis. Azaki, Namitouxinae. Ses incertitudes. Azaki, Bozan Kodimanae. Et c'était un homme honnête. Mais Kassi, attends, comment Azaki, mon tombeau Sembo. Il fréquentait l'une des meilleures sectes religieuses du monde. Il est Natangoana, Azako Kotambola, Nalo Lenga, Massambeli Moko, Yamalanga Baboto, Yamalama, qui est Tangoana. Il allait devenir un enseignant dans cette secte-là. Il est Aligaya Koma, Motangi Si, Yamatei, Natang, la secte Wana. Il avait été formé au pied du grand enseignant Gamaliel. Motangi si malam moko ne Gamaliel et Azaki Motangi si naye. Qui était l'un des plus grands enseignants de l'époque. Oh, Azaki moko batangi si aminene mi yakala natango wana. Ses parents avaient veillé à cela. Babote naye ba sendela na tina na yango. Ils avaient vu qu'il y avait quelque chose dans la vie de Paul. Bamona ki Azaki na eloko mo katabomo ya Paul. Alors ils avaient travaillé dur pour l'envoyer à l'école. Na bongo basala ki makasi pote matine na kelas. Afin qu'il soit enseigné dans toutes ses Lois de Dieu. Et c'était avec une grande, avec une profonde sincérité qu'il croyait chaque parole de cela. Écoutez ce que le prophète dit. 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 Que le prophète dit. Que Dieu ne vous juge pas selon votre sincérité. Zambe, il est à Sam sa communauté. Je suis sincère, je suis Yoko ba ete ngazali sembo ya sosa sembo. Je ne vous jugera pas selon votre sincérité. Zambe ya kosam saute obebo sembo na yo. Écoutez, Dieu va vous juger simplement. Zambe ya kosam saute kabobele. Selon la position que toi tu prends pour la cause à parole. Na lolenge to tina oyo yo otelemi na simelo bana ye. C'est selon la position que tu prendras pour sa parole. Lole yo ozimo kanu otelemi bana ye. Et non pas à cause de ta sincérité. Na lolenga bo sembo na ote. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans Hébreux chapitre 5, chapitre 6, première partie. Hébreux chapitre 5, paragraphe 27. Il dit ceci. Ah, remarquez Paul. Quand Paul, un grand maître et enseignant. Il est bien formé sur le chemin de Damas. Il est azo qui formation malam on allait à Damas. Un jour, envie d'arrêter les gens qui marchaient dans cette nouvelle voie. Moko lomoko na posa ya ko tele bato o bazo tambola nzela wana. Maintenant, si kawa. Il était sincère. Yazaki sembo. Quand Paul partait pour persécuter les chrétiens, wana Paulo azoko bembo apono kele kokwesa bakiso. Il était vraiment sincère. Azaki sembo na motema na ye. Parce que c'est ce qui lui avait appris là-bas. Yangonde ya yekola ikuna. Il était sincère. Azaki sembo. Lui écoutez ce que le prophète dit. Asoko musala lobi. Dieu ne vous juge pas d'après votre sincérité. Zambe ye akota la wote na bosembo na yo. Écoutez ça très bien. Yoka ngoma lamu mingi. Il dit alobi. Je n'ai jamais vu des gens plus sincères que les païens. Na tikala komona bato asembo te kuluka bapangano. Beaucoup d'entre eux vont même jusqu'à tuer leurs propres enfants. Mingi katina bango bakendaka kino na isi kuma bana bango moko. Et des choses semblables. Pe le ko kwase le gwana. En sacrifice à une idole. Na ko pesa kambeka na tina e ke komoko bo nzambe. Ce n'est pas la sincérité qui compte. Ezali bosembo na yote yangonde sukisi makambo to yango itali makambo. Un homme pourrait prendre de l'acide carbonique. Moto akozo acide. En toute sincérité. Na sembo nyoso. Pensant qu'il prend autre chose. Kobanda ka ite zolo ko mususu. Il est sincère. Ezali le sembo. Il prend peut-être non je prends du sucre pour mettre dans la bouillie pour l'enfant. Ya banjete na zui sukali na tira potopoto pour mona mela. Il est vraiment sincère. Yes, mais c'est que
la prise est de l'acide. Kasi oh ya zui boko, zali ne acide. Sans savoir. Osanga koyeba. Le prophète dit qu'il est vraiment sincère. Osanga bete, ya zali sembo. Mais seulement il a pris de l'acide. Kasi ta boko, ya zui d'acide. Et quand tu vas mettre l'acide là-bas? Tawo otia kokuna. L'enfant va mourir. Mwana kokufa. Il n'a pas fait par la bonté, c'est il était sincère avec lui-même. Ya zali sembo na yemoko. Voilà pourquoi Dieu ne nous juge pas selon notre sincérité. Parce que votre sincérité peut être dans le faux. Simplement parce que tu ne connais pas, tu n'es pas enseigné. Kaka, pour être yo yébité, yo tu penses que ce que tu crois là c'est la vérité. Yo kasi, oh, yo, so tu penses que ce que tu crois là c'est la vérité. Yo kasi, oh, yo, so di mara, yango, sali solo. Tu es sincère. Yo sali sembo. Mais tu vas dans l'enfer. Kasi, yo, ke li felo. Avec ta sincérité. Na sembo na yo. Oh, si Dieu pouvait voir que non, cet homme était sincère. Na bo, so kisa, bako, tana, bo, to, oh, sali sembo. Il pouvait peut-être t'épargner de cela. Mais il ne juge pas selon ta sincérité. Sincérité ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est la position que tu as par rapport à sa parole. Ce qui compte pour Dieu. Alors, il ne faut pas penser que non, moi, j'étais sincère et tout ça. Non. Il dit, La sincérité ne nous sauve pas. Bon, c'est bon, il y a un comique ça. Telle voix paraît droite à l'homme. Telle voix paraît droite à l'homme. C'est là, oh, il y a un comique ça. Mais son issue est la voix de la mort. Kasi, soukana yango, yaronde mkufa. Paul était sincère lorsqu'il a rendu témoignage dans sa propre autorité. Paul, il y a un sembo, wana tatolaki, natina ya bo continue. Pour la pide Etienne. Pour la kobo ma Etienne. Plus tard, à la suite des années, si manayango, Mikolo, j'aime l'apologie de Paul disant, na linga kaloleka Paul kolobaka, je ne suis pas digne d'être appelé disciple ou d'être appelé apôtre. Na bongisa mite ko bianga ma molani na Yesu to apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église. Po ete ngai na nyokoli losambo. Même jusqu'à la mort, sincèrement. Kilo ata na kufa na sembo na solo nyoso. Voyez-vous? Omoni? Donc notre sincérité ne compte pas pour Dieu. Sembo na biso yango taliza bete. Oh, et Ali, Natina Zambé, Zali, le Lengen Dosa de Banzambé. Vis-à-vis de la porte de Natina et le Banzambé. Prenons-nous la position pour Dieu. Dosa, Dosa, Mokan, Zambé. Prenons la position pour la parole de Dieu. Dosa, le Lengen pour le Banzambé. Pour autre chose. Dosa, Mokan, Mosusu. Plus souvent, nous prenons des positions pour nos églises. Madame Sousse, Marangambo, Yamangomba Nabiso. Nous prenons la position de notre pasteur. Tout Marangambo, Mokan, nous prenons la position de notre église. Tout Marangambo, Église Nabiso. Yangonde esimbe melona yo. Si votre poteau d'attache est ton église, qui esimbe melona sa lingomba na yo, sache que tu es dans le faux. Yeba ete yo sa nakati ya mabe. Votre poteau d'attache esimbe melona yo. Votre absolu esimbe melona yo devrait être la parole de Dieu. Esengereza na lingomba na Nzambe. Votre absolu devrait être Jésus-Christ. Esimbe melona sa Yesu Christ. Oui, même la parole. Yemo ko liloba. Et non pas autre chose. Kasi eloko mosusu te. C'est ça, c'est que la parole de Dieu dit. Yangonde oyo na Nzambe lobi. Alors, étant honnête, Naboye ko saka sembo. Paul s'est dit, Paul alobaki, puisque cette chose ne vient pas de Dieu, Naboye lolenge makambo oyo euti pas embêté, et que mon église dit qu'elle ne vient pas de Dieu, lingomba na kelebete yango euti pas embêté. Alors, l'unique chose à faire, c'est de s'en débarrasser. Et loko kaka moko ya ko sala zali ya ko kabwa na yango. Tout ceci, le prophète explique. Nyoso omo sa ko leta lisi yango. Pourquoi, quand il était en train de tout faire là-bas, lui était sincère? Parce que c'est ce qu'il avait appris. C'est tout ce qu'il connaissait. Il était sincère. Et sa sincérité, ce n'était pas l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, c'était autre chose. L'affaire de Dieu commence quand il a pris la décision de suivre Jésus. Quand finalement il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et il a pris la portion de la parole, c'est ce qui a compté pour Dieu. Et non pas ce qu'il était avant. C'est comme ça pour nous aujourd'hui ce matin. C'est le eh bien, vous voyez, nous ne sommes pas un peuple divisé. Il nous être dans l'unité. Et parce que
chacun de nous détient une portion de Dieu. Et nous devons nous rassembler. Et alors, la colonne de feu est pleinement manifestée dans sa plénitude. Quand son église se rassemblera dans les lieux célestes, alors la plénitude de la puissance de Dieu sera dans son église. Bien, frères et sœurs. On dit que chacun tient une portion. Et on te dit non. Séparons non. Ne communions pas ensemble. Bien, frères et sœurs. Ces conseils-là. Cette parole-là qui vous désunit. Ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu, peu importe la manière dont vous la prêchez. Même si tu connais toutes les citations du prophète, la parole de Dieu a pour mission de rassembler. La parole de Dieu unit les enfants de Dieu. La parole de Dieu ne divise jamais. Si toi tu prêches la parole de Dieu, ça divise les enfants. Cette parole-là ne vient pas de Dieu. C'est ça, bien frères et sœurs. La parole de Dieu doit unir les enfants de Dieu. Les mettre ensemble. Vivre dans les corps de Jésus-Christ. Vivre dans un seul corps. Quand un membre souffre, ça dérange tout le monde. Tout le monde prend ça comme son problème. Mon pied est malade. La main va toucher les pieds. Le bon condé aussi mal au colo. Chercher à alléger un peu cette douleur. Pour jamais la main va dire. Cette douleur là ne me concerne pas. Oh bien aimé frères et sœurs. Quand tu as mal n'importe où sur les corps, tu verras que la main va toucher là où tu as mal. Yo comment le bon Gosima et pas c'est dans un seul corps. Les enfants de Dieu sont dans un seul corps. C'est lui le corps mystique de Jésus-Christ. Oh yo, il y a nous autres Jésus-Christ. Alors venir aujourd'hui avec la prédication diviser les enfants. Allô, là bon, quoi là, prédication qui vient de l'enfer. Ce n'est pas une prédication qui vient de Dieu. La parole de Dieu rassemble. Le Banzambe est ce que nous venons de lire ici. On nous dit bien. On nous dit bien. Nous devons être dans l'unité. Et singel dans la bomoko. Être dans l'unité. Et singel dans la bomoko. Pourquoi? Pour la nini? Parce que chacun de nous détient une portion de Dieu. Asimbi etenye le Banzambe. Alors si nous ne sommes pas rassemblés, sans la bomoko, une autre portion de Dieu va partir. Et ça doit être ensemble. Et c'est et maintenant quand nous sommes ensemble, la colonne de feu est pleinement manifestée dans sa plénitude. Na ekomona na kata diloba. Quand son église se rassemblera dans les lieux célestes. Wana lingomba na ye eko eko na mes frères et sœurs, nous avons besoin de rester unis. Comme un seul corps. Lokola, pour que la colonne de feu se manifeste ici. Pour être dans toute sa puissance. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre unité. Tout dépend de l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est nous qui pouvons faire que la colonne de feu puisse se manifester. Cela dépend de vous et de moi. Quand chacun de nous qui avons des dons spirituels et des offices spirituels, nous rassemblerons, cela reconstituera de nouveau cette colonne de feu. Wana nambalamo lisusu yango ekoyesa bomoko likolo. Est-ce que vous avez saisi ça? Bosusu liango. Dans cette église. Nakata ligomba oyo. Chacun peut avoir son don. Moko na mokosa na likamona ye. Quelqu'un peut avoir aussi un autre don. Mosoko na likamona ye mosusu. Mais le prophète dit
Kasi mosolo lobi. Quand nous allons nous rassembler. Wana toko koma na bomoko. C'est ce qui va faire reconstituer la colonne de feu. Yango kosala e kangisa likoni na moto babite mpile koma moko. Il conduit la mort à l'Awakat Nabiso. C'est question de vous et moi de nous mettre ensemble. Dans l'unité. Comme un seul corps. Le corps mystique de Jésus-Christ. Alors, en étant ensemble, nous allons reconstituer la colonne de feu. Toko Kongi Sali conduit la mort dans mon bimana. Nous n'avons pas besoin de voir la colonne de feu au milieu de nous. Alors, nous n'avons qu'à être dans l'unité. Dans l'amour. Nous supportons les uns les autres. Koyeka kampi kona ba moko pe ba susu. C'est ça bien frères et sœurs. Et avant malinga ba simbali. Écoutez. Boyoka. Paragraphe 51. Paragraphe 51. Eh bien, nous voyons que Paul. Boetomoni Polo. Les restes de sa vie. Suka bobo inaye. Avait cela comme un poteau d'attache. Atalaki na yango lokola esima melonaye. Il avait rencontré Dieu face à face. Akuta na zambe elona elongi. Et il avait été commissionné par Dieu. Pe ye a bongsamaki na panzambe. Quel poteau d'attache. Esima melonaye nini. Quel absolu. C'était la fin de toutes les contestations. C'était la fin de tout pour Paul. Toute dispute. Tout était terminé. Peu importe ce que les pharisiens disaient. Ce que les sadducéens. Ou n'importe qui d'autre disait. Il avait rencontré Dieu confirmé par la parole. Amen. C'était réglé. Peu importe ce que tu entendras les autres dire de toi. Les gens pourront t'insulter. Les gens pourront te critiquer. Ils pourront parler mal de vous. Ne regardez pas ça, bien-aimé. Vous regardez à votre poteau d'attache. Regardez à Jésus-Christ. C'est là que vous. Et ne regardez pas ce que disent les autres. Les autres ne t'aimeront jamais. Jésus-Christ, il leur a donné à manger. Il a guéri les malades. Il a fait tout. On l'a crucifié. Toi, tu voudrais que tout le monde t'acclame aujourd'hui. Ne cherche ça pas bien aimé. Quand toi tu es chrétien. Et que tout le monde acclame. Tout le monde t'acclame. Tout le monde t'adore. Pose-toi la question. Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Un chrétien. Mon Christ solo. C'est un rejeté. Azali c'est quelqu'un rejeté de partout. Parce que sa vie c'est une vie autre. C'est quelqu'un qui vit une vie drôle. On le voit comme quelqu'un qui a sauté la vie. On ne l'aimera jamais. C'est ça un chrétien. Wanande mon Christ. Cherche le poteau d'attache bien aimé. Luca ici même là yo. Cherche ton absolu. Luca ici même là yo. Ne regarde pas les restes du monde. Quand la haute élève mobilité. Regarde la parole. Yo t'en est le banzambe. Attache-toi à Dieu. Arrange banzambe. Sois ton poteau d'attache. Yaronde ici même là yo. Qu'il soit ta référence finale. Asa la longue loi suka. Dans tout ce que tu fais. Nanezo ozo sala. Ce que tu penses. Ozo banza. Ta référence finale. Oya yo ya suka. Quand elle est là. C'est Jésus Christ. Jésus Christ.